Au-delà du récif, une falaise sous-marine descend à pic vers les abysses où se cache le plus ancien céphalopode de la planète. Le Nautile. À l'intérieur de sa coquille en spirale, des loges remplies de gaz ou d'eau lui permettent de monter et descendre comme un sous-marin. Sa coquille le protège des prédateurs et de la pression élevée qui pourrait le broyer. Le Nautilus pompilius, qui mesure jusqu'à 25 cm de diamètre, est la plus grosse des 7 espèces survivantes. À la préhistoire, 10 000 espèces régnaient sur les océans, notamment des géants de 3 mètres. L'œil n'a pas de cristallin et fonctionne comme un sténopée, un appareil photo très simple. Le Nautile chasse à l'odorat grâce au capteur de ses tentacules. Mais son cerveau est petit et primitif comparé à celui des céphalopodes qui ont évolué il y a environ 100 millions d'années pour faire concurrence aux poissons.